Voilà, re. Donc, je lance le jeu. Vous avez le titre dans la description. Romance of the Three Kingdoms 8. Il va peut-être falloir que je passe l'intro parce que le CD est tellement rayé que je suis pas sûr que ça va être une bonne idée de rester dessus. Ce serait con de faire planter la console. Ah.战不殆，不知彼而知己，一胜一负。不知彼，不知己，每战必败。Ouais, vous voyez là, ça commence déjà là. Ouais, je vais vous passer l'intro parce que ça va être juste insupportable. Mais bon. C'est comme ça. Bon après, dans le jeu en lui-même, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, hein, malgré les rayures qu'il y a sur ce disque. C'est vrai qu'il a pris cher mon CD, hein. Ah, cette musique, putain. J'y ai passé des heures sur ce jeu, j'y ai passé des heures. Et pourtant, c'est pas le meilleur Romance of the Three Kingdoms. Hein. Le 11, je le trouve beaucoup mieux, à part sur certains points. Champagne 9, j'ai jamais eu. Apparemment, le 9, il est vraiment génial. Et globalement, bah, c'est sur l'histoire des trois royaumes. Il y a plein d'événements que j'ai pas débloqués. Il y a tellement de trucs à débloquer de toute façon. Mais ouais, c'est sur l'histoire des trois royaumes, et donc bah, pour ceux qui connaissent Dynasty Warriors, c'est très sympathique. Mais alors c'est plus RP comme jeu, c'est totalement RP même, c'est que du roleplay, c'est que ça. Et vous pouvez incarner vraiment, mais vraiment qui vous voulez. Et ce que j'aime beaucoup dans ce Romance of the Three Kingdoms, c'est ça. Il y a vraiment, année par année, chaque époque des trois royaumes. À part sur la fin où il commence à y avoir des grosses ellipses. Mais sinon, globalement, pour les périodes principales, il y a tout, quoi. Voilà, jusqu'en 234, après, il y a des ellipses. 241, 249 et 263. Et on a le scénario The Rise of Hero, que je n'aime pas du tout. Passe en 271 et en fait tout le monde est vivant et tout le monde est immortel. Enfin, on peut mourir mais en se faisant tuer au combat ou ce genre de conneries, mais on peut pas mourir de vieillesse donc bon, c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon jeu. Après, faut voir si ça peut vous intéresser ou pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est un petit peu dans l'optique de. J'ai envie de faire ce jeu dans l'optique de tous les Dynasty Warriors, c'est-à-dire que je veux faire toute la saga des Dynasty Warriors, Samurai Warriors et Warriors Orochi, pour ceux qui ne savent pas. Et bien, entre les deux, je veux faire aussi quelques parties de Romance of the Three Kingdoms, mais sous forme de live. Je le ferai pas en let's play, parce qu'en let's play, ce serait juste insupportable. Mais sous forme de live, c'est l'idéal, je pense. Le chat qui va me réclamer de sortir, à mon avis. Oui. Je commence à le connaître par cœur, ce chat. Allez, va, sors. Vas-y. Libre-toi de sortir, chat. Bon, après, au niveau de la résolution, bon, je pense que je vais laisser comme ça, hein, au pire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, je me suis assis sur la manette, ça a donné ça. Bon.
De toute façon, il fallait que j'aille dans New Officer. Qu'est-ce que j'ai dans New Officer? Faut que je vois un petit peu ce que j'ai créé, parce que ça doit être très vieux. Cao Tong, Chang Meng, Chang Yao. Chang Yao, c'est qui? C'est qui ce gros con? Ouais, non. Ça doit être juste un personnage qu'on a créé comme ça. Dong Wei. Ah, mais j'ai dû y repasser il y a pas si longtemps que ça pour modifier le nom. Parce qu'à l'époque, c'était Dong Vi. Mais j'ai changé ça en Dong Wei. Chang Meng, c'est Champak. Crony, bah, c'est Crony. Fuxi. J'avais rajouté Fuxi. Guo Dai, je sais pas qui c'est. Lily, Lulinki, Lushan, Yolio, Mei Mei. Ouais, faut que je modifie quelques petits trucs. Déjà, je vais effacer ceux qui m'emmerdent. Alors, Cao Tong au four. Chang Meng, je garde. Chang Yao au four. Crony, je garde. Je vais peut-être revoir les stats des personnages par contre. Cuisong, je sais pas qui c'est. Fuxi, je garde. Guo Dai, je sais pas qui c'est. Liu Shu, je sais pas qui c'est. Jiafeng, non plus. Kong Yong, non plus. Lili, je garde. Liu Wu, au four. Lulinki, je garde. Lusha, je sais pas. Liu Liu, Mei Mei, Mengji, hop. Nua, je garde. Weilong, hop. Wujin, hop. Wuzhao, hop. Xinkai, Xukao, Xuzao, tout ça je viens. Yan Wei, Yuan Wang, Zhang Zhu. Ouais, je me souviens qui c'est Yuan Wang. Je crois que c'est un personnage qu'on avait créé dans une partie entre moi et Champak. C'est un fils de Yuan Shao, et si je me souviens bien, c'était lui qui avait hérité, mais c'est un gros tyran de merde. Et il avait foutu la merde dans le royaume et tout. Et j'avais voulu que Champak l'assassine, donc j'avais fait en sorte que Champak assassine mon personnage, alors que j'étais sur le point d'unifier le pays et de gagner contre Champak. Et du coup, mon héritier, il était tellement détesté que j'ai eu des rébellions de partout. Et ça a fait presque un retour à la case départ alors qu'il me restait genre 2 ou 3 territoires à prendre quoi. Donc du coup ça a prolongé énormément la partie sur cette petite connerie quoi. Tout ça parce que je voulais pas terminer avec ce personnage. Enfin bon. Alors, Chang Meng. Ouais voilà, ouais, c'est cette tête. Name, gender, face, birth. 170, c'est de façon à ce que en l'an 184, il soit en âge de combattre normalement. Si j'ai... Ouais, c'est ça. Non, il est pas en âge de combattre, il aura 14 ans en l'an 184, mais il sera bientôt là. Parce que la majorité est à 15 ans dans ce jeu. Donc il s'était mis en war, en principal, ouais. Ability, ouais bon, on va laisser comme ça. Juste voir, viser. Crony, qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai mis war aussi. Par contre, Crony, cette tête-là, je pense pas que ce serait ce qu'il aurait choisi. Dommage qu'il est pas là pour me le dire d'ailleurs. Mettre une tête qui d'après moi lui correspondrait mieux. Et puis les stats je le vois pas trop en war non plus d'ailleurs. Bon je vais lui mettre ça. Né en 172, ok.
Xander, bah oui, c'est un garçon. Je l'ai mis en ambitieux. Benevolence, s'il vous plaît. Un calme. N'est ni très brave, ni un lâche. C'est entre les deux, c'est sympa. Général, leader. Moi, je le vois plus stratège, en fait. Warlord. Conseiller type. Ouais. Voilà. Je le vois bien là-dedans. Ability. On va essayer de faire en sorte qu'il ait de bonnes stats en intelligence et en politique. Et le reste, je vais le mettre en boire à la limite. Ah, et deux petits points en charisme. Voilà. Je pense que ce sera pas trop mal comme ça. Skill, qu'est-ce que... Taunt, Confuse, Reverse... Bah c'est vrai qu'on peut pas choisir, on est obligé de faire ça genre aléatoirement. Reverse, Taunt... Je vois bien, je le vois bien avec un Taunt chronique, mais... Par contre, je sais plus jouer à ce jeu-là, je sens que je vais galérer. Donc c'est bien, comme ça, ça me permet de me réentraîner. Ok. Donc on a Chrony, c'est bon. Alter d'état. Ah, moi. Je me suis fait naître en l'an 168. Ouais, si tu veux. Je suis un peu cheaté, mais bon. Ah, je suis cheaté, hein, mais bon. On va faire avec, et c'est très bien que je sois cheaté. Fuxi. Ah, Fuxi, Fuxi... Fuxi, à mon avis, meilleur guerrier que ça, hein, quand même. Voilà. Au moins 85 en war. Intelligence est plutôt bon, ouais. Politique, pas trop. Charisme, je le vois bien avec le charisme. Voilà. Les skills, on va lui laisser ce qu'il a, on va pas s'emmerder. Alter d'état, ensuite. Lily, Luolio, Meimei, tout ça, on va laisser tel quel. Lolinki. Je vais regarder Nuwa quand même. Genre à la 99 en war, alors que Fuxi il avait 70 quoi. C'est un peu n'importe quoi là ce que j'ai fait. Ah bon. Je devais avoir 14 ans à l'époque, faut m'excuser. Nuwa, je la vois plus en plus. Assez équilibré. Globalement assez équilibré. Voilà. Et qui c'est qu'on a d'autres? Je vais regarder Xinkai quand même. Ouais, je lui ai mis de la ward cheatée elle. Je vais diminuer sa ward un peu. Je peux pas changer son burst. C'est bizarre ça. Bon, trait. Non, pas trait. Ability. C'est la fille de Zhangfei, donc je vais quand même lui mettre 90, mais après... Faut que j'équilibre un peu sur les autres stats. Voilà, voilà. Heureuse et anonyme. Voilà, donc comme ça c'est fait. Ah, je
Bah, si tu le dis. Je mangerai une pomme, peut-être dans la journée, oui, c'est bien possible. Il y a des pommes en haut, en plus. Qui c'est que je vais faire comme perso maintenant? Faudrait que je crée des personnages supplémentaires. Déjà, je vais faire Vooma, tiens. Alors, Vooma est un homme, si, si. Quelle tête je peux lui mettre à Vooma? Oh putain, c'est lui qui lui chiasse. Ouais, un truc comme ça. Faire naître en lent. Très ambitieux, ça c'est clair. Analytique. All, parce que c'est Vooma. Normalement, je devrais pouvoir tout remplir. Ouais, bon, pire, le charisme, c'est ce qu'il aurait le moins, je dirais. Tac. Voilà. Ensuite. Oh putain, du café. Excellente idée, coquette. Ça, c'est quelque chose que je devrais aller me faire avant de démarrer la partie pour de bon. Donc, j'ai fait Vooma. Qui c'est qu'il y a d'autre? Après, attendez, juste deux secondes. Excusez-moi, juste un instant, faut que je vérifie quelque chose. Ok, hop, excusez-moi encore un instant, j'ai bientôt fini. Ok, oh putain, le PC qui fait de la confiture, ça y est, ça commence. Bon. Alors, ce que je peux faire, à la limite, c'est créer certains
entre guillemets des personnes qui représentent les viewers. Ça permettra de regarder un petit peu comment évolue chaque personne. Ça peut être drôle. On peut tomber dessus par hasard. Donc ça créera une espèce d'interactivité avec vous. Donc si quelqu'un est volontaire, dites-le moi, je prendrai le premier qui viendra, qui dira « Moi !» par exemple. Et je vous poserai 2-3 questions après, selon ce que vous préférez. Ok, coquette. Alors, que veux-tu comme nom de famille déjà ? Zao, ok. Et ton prénom? Avec le décalage de 20 secondes, hein, je suis désolé, du coup ça nous fait tous bader, mais là pour ça il faut remercier Twitch TV qui nous offre un décalage de 20 secondes quand on n'est pas un grand Twitcher. Donc voilà. Alors, j'ai une question con, mais est-ce que t'es un garçon ou une fille ? Parce qu'avec le pseudo, j'aurais tendance à dire que t'es une fille, mais on sait jamais. De PC de merde. Ah, voilà. C'est horrible. Et puis cette chaise qui grince à chaque fois que je fais un mouvement. Ok, t'es une fille. Alors, je te mets en fille. Après, au niveau du visage, je vais choisir pour toi à la limite parce que sinon on n'est pas sorti. Je vais mettre ça. Par contre, l'année de naissance, je te laisse choisir, c'est toi qui vois.
Je vois. Zhao Zhu est un nom féminin. Putain, je suis en train de bugger. La fatigue commence à se faire ressentir. C'est pour ça qu'il me faut un café. Je vois qu'il est 14h et que je vais peut-être faire une sieste. Ou alors je fais pas de sieste et. Au pire, je fais pas de sieste et je me coucherai tôt. Je sais pas. Je verrai. Alors, je vais te poser plusieurs questions à la suite, histoire qu'on n'ait pas trop à attendre. Ah putain, donc je veux savoir, quelles sont tes motivations? Est-ce que tu es du genre à te baser sur ta puissance? Est-ce que tu es du genre à essayer de restaurer la justice partout où tu vas, plutôt que de t'occuper de toi-même? Est-ce que tu es du genre... modération common and not a careerist? Ouais, en gros, ça veut dire que t'as pas d'ambition, t'as envie d'être... t'as juste envie de vivre ta vie tranquille. Ou alors advancement... Ça veut dire que tu veux faire avancer le système. Ouais, en gros c'est ça. Tu veux réformer le système. Ou ambition, ben. Ambitieux, ben ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je te laisse réfléchir à ça et je te pose la question suivante en même temps. Ta personnalité, est-ce que tu préfères être quelqu'un de brave, donc de courageux, tout simplement? Berserk, donc ça veut dire que t'es... Alors oui, t'es courageux, courageuse d'ailleurs, mais tu n'es pas très... Disons que tu n'aimes pas recevoir des ordres, quoi. Tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Ou alors calme. Tu es ni spécialement courageuse, ni lâche. Là, c'est juste milieu, on va dire. Analytics, donc ça veut dire que tu analyses bien la situation, par contre tu n'es pas très courageuse. Ou alors coward, c'est à dire lâche, ça veut dire que tu ça veut dire ce que ça veut dire, tout simplement. Tu flippes ta race. Ensuite, ça c'est le type de personnage. Ça va être là où les statistiques vont se mettre en priorité en fait. Donc war, ça veut dire que t'es très bon guerrier. Intelligence, bah, c'est pour l'intelligence. Politique, pour la politique. Charisme, pour le charisme. Après on a les petits trucs qui mélangent un peu tout. Donc on a général. Donc là ils nous disent que c'est le genre de personne qui dirige. Et bon dans les batailles... de pays. What? Je sais pas si on va vouloir dire autre chose, Land Battles, mais là, je sais pas trop. Ah. Il y a eu un freeze, là? Parce que s'il y a eu un freeze, ça craint. Parce que j'étais en train de tout expliquer. Que ça a l'air de bugger pour vous. Je vois que ma preview arrête pas de déconner.
Et ça, ça m'énerve. D'accord, coquette. Bon. Alors, je disais donc général. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, bon, sur les batailles, sur le terrain, tout simplement. Et là, on a amiral. Donc, pour les batailles navales. Warlord. Donc, ça, c'est les gros stratèges qui sont à la fois bons en politique et en intelligence tout court. Hall, c'est pour être équilibré un petit peu partout. Bon, un petit peu partout en fait. Pas extrêmement bon dans tous les domaines, mais relativement bon partout. Alors que standard, par contre, c'est moyen partout, pas très très bon quoi. Donc voilà, je te laisse répondre pour tous ces trucs là. Je te laisse prendre une décision. Donc il faut que tu me donnes ta motivation, ta personnalité, ton type. Et moi pour l'instant, je vais aller me faire un café. Je reviens. Ok, je suis de retour. Alors, tu m'as dit ambition. Berserker et Warlord. Ça marche. Alors. Bah écoute, je vais te mettre en priorité. Ça. Attends. D'équilibrer quand même un peu. Voilà, histoire qu'on ne perde pas trop de temps sur cette création. Hop, ouais, les skills sont pas trop mal. Et je te mets des tactiques random. Voilà. Quelqu'un d'autre veut être créé ?
Xor, ok. Par contre, j'hésite à passer ce live directement sur YouTube. Parce que là, franchement, ce décalage me saoule et je sais pas. Twitch TV ne fait rien pour arranger ça, en tout cas, donc je vais sûrement passer ce live sur YouTube. Ce sera sûrement plus simple. Je vais créer ton personnage, Xor, et puis je verrai après pour le passer sur YouTube, à la limite. Alors, Xor, dis-moi quel nom de famille tu veux et quel prénom tu veux. L'avance. Alors écoute, donc Xor. Ah, Xaltan, Xor. Ok. Garçon, j'imagine. Hein. Je vais te choisir un visage. Faudrait que ça fasse pas trop asiatique en fait. En quelle année tu vas être né? Ok. Et donc tu m'avais dit justice, brave. Il reste, il faut que tu me donnes ton type aussi. Ok, Xor. Abilities.
Donc je vais te mettre équilibré par rapport aux stats proposées de base. Voilà. Skills, ok, t'as déjà des trucs. Voilà. Ok, c'est fait. Donc du coup, je vais passer sur YouTube parce que il y en a marre de Twitch. Surtout quand on fait des interactions avec les viewers, quoi, c'est juste ignoble. Donc je passe sur YouTube. On se retrouve dans quelques minutes là-bas. Par contre, bon bah c'est au niveau du chat que ça va être beaucoup moins bien, mais à ce qu'il y ait un décalage dans les deux cas, au moins la rediff sera directement sur YouTube et tout le monde pourra la voir. Donc de ce côté-là, ce sera mieux. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.